Open parce que l'année dernière, j'ai passé une très mauvaise année qui a été très dure moralement. Je savais plus quoi faire pour le futur et j'avais besoin d'aide pour comprendre ma place dans le monde en fait. Ce qui m'a fait venir à Open, c'était le travail sur soi et puis tout le point orientation. Moi, je ne savais pas du tout pourquoi j'étais faite. Alors, le DU Open, c'est une formation de 10 mois pour des jeunes qui, pour une part, qui viennent d'avoir le bac et pour l'autre part, qui ont déjà fait un an, deux ans ou trois ans après le bac, qui ont validé ou non un parcours et qui, à un moment dans leur cursus, se posent la question de comment continuer et de leur parcours d'orientation. La spécificité du DU Open, c'est vraiment un accompagnement individualisé. On a à cœur, en tant qu'équipe pédagogique, d'accompagner chaque étudiant individuellement dans son projet d'orientation. Et donc, qu'ils prennent une année pour mieux se connaître, prendre confiance en eux, s'ouvrir aux enjeux du monde et puis construire un projet d'orientation qui soit cohérent avec ce qu'ils découvrent d'eux-mêmes, de leur centre d'intérêt, de leur passion, de leur qualité, de leur talent. Une autre chose importante du DU Open, ça va être vraiment le groupe en formation. C'est-à-dire qu'on a une promotion d'étudiants de 20 jeunes qui vont être soudés, se soutenir tout au long de l'année, qui vivent les mêmes choses, qui vivent ensemble. Et le groupe est vraiment vecteur de formation. Il y a deux stages obligatoires individuels au sein de la formation, deux stages d'un mois. Le premier qui est un stage professionnel qui arrive courant février et un deuxième stage qui arrive vers le mois d'avril qui est un stage de solidarité. Où là, l'objectif est pour chaque étudiant d'identifier une population pour laquelle ils veulent se mettre au service. Il y a une grande diversité de parcours après l'année Open, parce qu'en fait, nous, on ne prépare pas à un métier en particulier. Notre souhait, c'est vraiment d'accompagner chacun à aller vers ce qui le motive et ce qui lui convient. Eh bien, cette année, j'ai expérimenté plein de choses. L'année Open, c'est vraiment une année qui est vraiment riche et qui est pleine de solutions et de bénéfices pour nous en tant que jeunes. Qui sommes perdus. Maintenant, pour mon projet professionnel, j'aimerais passer donc une année de solidarité à donner de mon temps en fait pour la cause migratoire. Et les années d'après, j'aimerais reprendre des études et devenir professeur des écoles. Le lien avec les formateurs a été très important pour moi. Et puis voilà, tout le travail d'introspection sur moi m'a beaucoup fait avancer et maintenant je sais où je vais. Le bachelor conduit de projet, c'est un diplôme qui s'obtient en 3 ans. Nous sommes centre associé à l'Université catholique de l'Ouest, c'est elle qui délivre tous nos diplômes à l'IF Europe, avec une première année sur une dimension de découverte de la solidarité. La deuxième année, on est sur une dimension beaucoup plus expérientielle, avec notamment un stage de 6 mois. Et la troisième année, on va être plus sur une dimension intellectuelle. C'est la dernière année, c'est celle qui délivre le diplôme du bachelor. Et donc, on va notamment être sur un mémoire de fin d'études, sur une spécialisation. Donc, la pédagogie du bachelor, c'est d'abord de s'adresser à des jeunes qu'on considère comme des adultes, donc avec une expérience, et qu'on va relire. Alors, la spécificité de l'école dans son ensemble, et donc du bachelor pour ce qui concerne le domaine de la solidarité, c'est que chacun découvre la place qu'il peut jouer dans une équipe, dans un groupe au service d'un projet. Donc quelqu'un qui se connaît bien, quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec d'autres et quelqu'un qui a fait l'expérience de terrain pour vérifier ses talents et ses limites. À la fin des 3 ans, 50% de nos étudiants choisissent de continuer en master. Les deux principaux sont à Angers, notamment l'IRCOM, un master dans l'humanitaire, et à l'UCO, donc à l'Université catholique de l'Ouest, le master en économie sociale et solidaire. Et puis, on a encore 50% des étudiants qui s'investissent dans la vie professionnelle, soit en volontariat, soit en tant que salarié. L'expérience de 6 mois est super intéressante parce qu'elle est vraiment engageante.
sur une longue période. La première chose qui m'a marquée, c'est le groupe, parce qu'en fait, on a une petite promotion d'une vingtaine d'étudiants qu'on garde tout au long des 3 ans de bachelor. Du coup, c'est un groupe avec qui on noue des liens particuliers, on part en mission à l'étranger ensemble, on travaille dans une association. Et moi, ce qui m'a beaucoup, enfin, ce que Leaf Europe m'a apporté, en plus de l'expérience, c'est prendre du recul, à comprendre ce qui s'est passé, comment je l'ai vécu, comment est-ce que je me positionne, de poser aussi en fait tous les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Grains d'Envie, c'est l'association des étudiants d'IF Europe qui est destinée, enfin qui a un double objectif en fait, l'objectif de former les étudiants à la conduite de projets en solidarité internationale et locale et de réaliser des projets, une dizaine de projets par an en France ou à l'étranger en partenariat avec des initiatives locales. Et ce que ça m'a apporté, c'était notamment la prise d'initiative et le fait de se faire confiance pour prendre des responsabilités.